pareil. Comprenez, monsieur l'inspecteur, il appartenait à une société occulte. Il était contre moi parce que je me moquais de lui. Je vous demande pardon. Captain. Cut. OK. W1, take two. Je ne suis pas hystérique, monsieur l'inspecteur. Ce mot inquiète. Personne ne veut me croire. Allons, 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 madame. Eh bien, comme j'ai remarqué il y a un moment, j'en suis sûre c'était lui. J'ai reconnu son visage. Je voyais même la blessure sur son front. Vous êtes sûre? Oui. Mais la lune éclairait juste son visage. Puis me souriait. Non, plutôt, c'était une grimace. C'était horrible. Avant de mourir, il me disait souvent qu'il reviendrait après sa mort pour me faire peur. Naturellement, j'en riais. Qui prend en sérieux une bêtise pareille? Comprenez, monsieur l'inspecteur, il appartenait à une société occulte. Il était contre moi parce que je me moquais de lui. Je vous demande pardon. Calmez-vous, madame. Cut. Fine. Cut.